L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la situation du judaïsme égyptien de ses heures de gloire à la fin du 19e au début du 20e siècle, jusqu'à sa disparition à la fin des années 1960. On va jeter maintenant un coup d'œil plus à l'ouest, à la Libye voisine, dont on a peu parlé, parce que ça n'a jamais été un État. La Libye a fait partie, dans l'Antiquité, de l'Empire égyptien, puis romain. Des Juifs se sont installés, notamment à Cyrène, l'actuel Benghazi, et à partir de l'occupation musulmane, les communautés juives, aussi bien de Benghazi et surtout de Tripoli, sont ballottées entre les différents pouvoirs arabes, aussi bien les Fatimides que les Aghlabides. Je vous passe tous les détails. Elles connaissent la situation de Dhimmi, et donc sont soumis à des brimades et à des impôts spéciaux en échange d'une protection toute relative. La situation change un peu avec l'arrivée des Turcs en 1550, qui ont chassé les Espagnols de Tripoli, et pendant l'occupation espagnole, les Juifs sont naturellement pourchassés, malheureux, alors que beaucoup sont des réfugiés d'Espagne. Les Turcs leur permettent à nouveau revenir, et peu à peu leur condition va s'améliorer, même si elle est loin d'être brillante. Ils sont enfermés dans des ghettos, notamment à Tripoli, et soumis donc aux impôts de la dhimmitude. À partir de 1839, les Juifs libyens, qui sont à ce moment-là à peu près 30 000, pas tous d'ailleurs dans les grandes villes, mais beaucoup dans les campagnes et les oasis du sud, ces Juifs libyens vont connaître une amélioration avec les réformes que connaît l'Empire ottoman. À 1839, le Tanzimat qui accorde l'égalité des droits aux Juifs et aux chrétiens et supprime les impôts spéciaux. Donc, les Juifs officiellement sont les égaux des musulmans, mais dans les campagnes, les traditions persistent et le sort des communautés juives n'est pas toujours brillant, il s'en faut. La situation change à partir de la guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman en 1911-1912. L'Italie, qui rêve d'avoir un empire colonial, occupe la Turquie et le traité de paix lui donne le territoire libyen, et les Italiens vont dès lors occuper la Libye pour une bonne trentaine d'années. Ils vont avoir une attitude ambiguë à l'égard de la communauté juive. D'une part, ils vont essayer de l'assimiler comme a été assimilée en Italie la population juive depuis longtemps. Et d'autre part, ils vont considérer les juifs comme des indigènes, souvent arriérés, ce qui était vrai au moins pour les juifs du sud, beaucoup moins pour les juifs de Tripoli et de Benghazi, qui se mettent à la remorque du l'envahisseur, dans la mesure où ils y voient une modernité qui leur convient. Ils apprennent l'italien très vite et on les trouve dans des postes administratifs et surtout dans le commerce et la finance.
Ces Juifs vont vivre donc une période pas trop difficile pendant 25 ans, entre 1911 et 1938, parce que en 1938, Mussolini adopte des lois antisémites en Italie et veut les faire appliquer en Libye, et donc ça va être à partir de là une période beaucoup plus difficile que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طالعنا